La mode est aux écrivains de voyage, qu'ils soient francophones, Ella Maillard, Nicolas Bouvier ou anglophones. Après Paul Theroux et Bruce Chatwin, voici Peter Matthiessen, bourlingueur d'Amérique patentée né en 1927, fondateur dans ses années parisiennes de la fameuse Paris Review et auteur du roman d'où est tiré le film actuellement sur les écrans, En liberté dans les champs du Seigneur. Les éditions Payot, dans leur collection Voyageurs, dirigée par Michel Lebris, traduisent, 30 ans après sa publication originale, le récit de Matthiessen, baptisé en français Urubamba, et qui relate un invraisemblable voyage de 35 000 km en Amérique latine. On regrettera d'autant plus l'absence d'une carte qui rendrait plus lisible le détail de ce vaste périple. Des Antilles à la Terre de Feu, les faits se succèdent en permanence comme dans un feuilleton dont cependant les états d'âme auraient été économisés au maximum. Matthiessen raconte des situations plus que des émotions et son attention se porte avant tout sur la faune, les oiseaux en particulier ou encore les reptiles et notamment le redoutable serpent Chuchupé. Il rencontre des Allemands partout, il a très souvent peur en avion, mais en sage, il admire l'inaltérable mutisme des Indiens.